Pour mieux comprendre les performances de Chris et des autres coureurs lors de l'étape de la Pierre Saint-Martin, nous aimerions vous communiquer quelques données enregistrées lors de cette ascension. Ce que nous savons à propos de la puissance de Chris avec le plateau ovoïde, c'est que les paramètres affichent 6% de puissance supplémentaire à cause du plateau ovoïde. C'est pour ça qu'il faut en tenir compte lorsque l'on interprète les données de puissance de Chris. Avec son poids aux alentours de 67,5 kg, ça donne un rapport poids-puissance correct de 5,78 watts par kilo.